Dernière question, le monsieur habillé comme moi en haut à droite. Bonjour, Francis Mouget, MS12 Magazine. Ma première question est la suivante. Connaissez-vous Tabs, créé par Jean-Baptiste Toussaint? Et voici ma deuxième question. Le saviez-vous? Il va réaliser un épisode spécial Steve Jobs mercredi prochain. Merci. Écoutez, c'est très drôle que vous me posiez la question, car avec mes amis ici présents, nous avons regardé le dernier épisode juste avant de monter sur scène. Oui, écoutez, je dois dire que je connais Tabs, hein, bien évidemment, et c'est formidable. Hein, je dois dire que je ne rate aucun épisode. Hein, je trouve que c'est une mission exceptionnelle avec un contenu formidable. Et moi, je dois dire que je suis honoré de savoir que Tabs va être produit sur moi. C'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. Vous savez, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et moi, je place Tabs à ce niveau-là, voilà, à un niveau exceptionnel, parce que cette émission est formidable. Et bien évidemment, mercredi prochain, je serai avec toute ma famille et tout mon CE hein, devant l'émission spéciale. Ça va être un moment exceptionnel hein, pour Apple, pour tous les amoureux d'Apple. Moment incroyable. Voilà. Tout le monde est très, très excité, hein, mes deux amis ici présents aussi. D'ailleurs, regardez-les, ils sont tout excités. Donc voilà, nous serons là mercredi prochain pour cette émission formidable qui est Tabs et nous n'allons pas rater ça pour rien au monde. Voilà. Donc voilà, merci. Bon voilà, aujourd'hui ça rend sale Steve Jobs, le vrai, celui avec Michael Fassbender. Du coup j'ai eu envie de me renseigner à fond sur la vie du cofondateur d'Apple. Et entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici 10 anecdotes que 60% d'entre vous vont découvrir depuis un Mac, un iPad ou un iPhone. Le 24 février 1955 à San Francisco naît Steve Jobs, un nom qui claque, qui sonne bien, mais peu savent que son vrai nom est en fait Steve Jandali. Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. En gros, Steve est le fruit d'un père syrien et d'une mère suisse. Le père de cette mère suisse était plutôt vénère que sa fille fasse un enfant avec un nom catholique, le père syrien. Du coup, il poussa sa fille à abandonner son enfant. Ce qu'elle fit, et Steve fut donc adopté par Paul et Clara Jobs. D'où le Jobs de Steve. Les anecdotes suivantes vont être plus simples à assimiler. Très tôt, Steve Jobs est attiré par l'univers informatique et se fait embaucher en 1974 par la firme Atari. Il parvient à s'attirer les faveurs du patron, Nolan Bushnell, mais pas des employés. En effet, ces derniers lui reprochent tout simplement de puer. Faut savoir qu'à cette époque, Steve Jobs ne se lave jamais et estime que son régime végétarien strict lui permet d'éviter la production de mucus, donc de toute odeur corporelle. Mais la réalité est tout autre. Du coup, le patron décide de créer spécialement pour lui un horaire de nuit, là où ses effluves ne gêneront personne. Apparemment, Steve Jobs sent mauvais des aisselles, mais il pue aussi l'arnaque. Deux ans plus tard, lui et son grand pote Steve Wozniak sont mandatés par Atari pour créer le célèbre jeu Breakout, casse-briques en français. Une fois la conception terminée, Steve Jobs reçoit 5000$ qu'il doit théoriquement partager avec son ami. Sauf que cet enculé ne lui donne que 350$ et lui fait croire qu'ils n'ont reçu que 700$. Steve garda donc pour lui 4650$, un sacré budget déodorant. Alors que tu t'échines tristement depuis des mois à essayer de réparer la chaîne de ton VTT dans ton garage, Steve Jobs utilisa le sien pour créer avec Steve Wozniak le tout premier Apple à 22 ans seulement. Enfin soyons clairs, Wozniak a pratiquement tout fait tout seul. Environ 200 unités furent produites à un prix diabolique de 666$. Alors si t'en as un dans ton grenier, sache qu'aujourd'hui il se revend entre 200 000 et 1 million de dollars aux enchères. Selon Bud Tribble, ancien vice-président d'Apple, Steve Jobs pouvait vous faire entrer dans ce qu'il appelait un champ de distorsion de la réalité. Grâce à son charisme, son charme et sa façon d'expliquer les choses, il pouvait vous faire croire l'incroyable et vous faire réaliser l'irréalisable. Ce terme est devenu tellement culte dans l'industrie informatique qu'il a obtenu ses propres initiales, le CDR. On aimerait tous posséder le CDR, surtout en soirée quand on est célibe. Le CDR, justement, eut un effet immédiat sur Ronald Wayne. Steve Jobs le convainc en 1976 de participer à l'aventure Apple. Il devient alors le troisième cofondateur de la marque et réalise le tout premier logo. Mais 13 jours plus tard, par peur de l'échec, il se ravise et décide de vendre ses parts pour 800$. S'il était resté, ses parts vaudraient aujourd'hui 58 milliards de dollars. 58 milliards de dollars. Dernière nouvelle, il s'est reconverti dans la philatélie. Ouais, les timbres.
Steve Jobs eut sa période hippie au milieu des années 70. Il multiplia les voyages en Inde, devint bouddhiste et consomma en grande quantité du LSD, déclarant même que cette drogue fut l'une des expériences les plus positives de sa vie. Du coup, moi, ça me donne trop envie d'essayer parce que je me suis dit que... Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? Okay, last time. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? Bref, là où je veux en venir, c'est que durant ce laps de temps, il en profita pour devenir un fan incontournable de Bob Dylan, au point d'engager une relation avec son ex, la chanteuse Joan Baez, au début des années 80. Selon un proche, Steve Jobs adorait ce lien subliminal avec son idole, raison principale de cette romance. Après avoir été viré d'Apple, sa propre boîte, longue histoire vous le découvrirez dans le film, Steve Jobs décide de tout plaquer pour devenir astronaute. Mis au courant du programme Space Shuttle, il envoya en 1985 une candidature à la NASA, leur expliquant qu'il souhaitait devenir un des premiers civils à aller dans l'espace. Sa demande fut rejetée et la NASA choisit Christa McAuliffe, une institutrice du Massachusetts. Un an plus tard, cette dernière et les 5 autres membres de l'équipage périrent 73 secondes après le décollage dans ce qui allait devenir l'accident astronautique le plus dramatique de l'histoire. Enfin gourmet, Steve Jobs avait ses habitudes dans un restaurant de cuisine méditerranéenne, l'un des meilleurs de la Silicon Valley. Après avoir dîné, il avait pour habitude de serrer la main du gérant, Abdul Fattah, et de discuter quelques minutes avec lui. Ce que ces deux-là ignoraient, c'est qu'ils étaient père et fils, chose qu'ils apprirent beaucoup plus tard. Malgré tout, Steve refusa systématiquement de le revoir, estimant que son vrai père était celui qu'il avait adopté à sa naissance. Le 5 octobre 2011, Steve Jobs meurt dans sa résidence de Palo Alto après avoir combattu le cancer pendant des années. Entouré de sa femme et de ses enfants, ses derniers mots furent « wow, wow, wow » tout en les regardant. Son décès suscita une vague d'émotions à travers le monde. Pourtant, Steve Jobs déclara un jour « Je pense que la mort est l'invention la plus merveilleuse de la vie, elle purge le système des modèles obsolètes. » Et des punchlines comme ça, tu pourras en entendre plein d'autres en allant voir le film Steve Jobs, donc. Bon, comme vous pouvez le voir, je vous invite dans mon Mac, même si c'est vraiment le bordel. Sache que tu peux liker la page Facebook de la chaîne, tu y trouveras plein d'infos, ainsi que des teasers vraiment cool. Je t'encourage également à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant ici, là où il y a le curseur là, ici. Je viens de dépasser les 100 abonnés, ça peut paraître cheap, mais moi je trouve ça très cool, 100 personnes. 100 personnes, ça équivaut à ça. Ouais. Ouais. En fait, en analysant la photo, c'est un peu déprimant, il n'y en a pas une autre un peu plus... peut-être celle-là. Ouais, non. Ouais, donc, ouais, écoute, n'hésite pas à t'abonner et à parler de la chaîne autour de toi, histoire que ça grossisse un peu. Tu peux aussi mater les 6 derniers épisodes de Tabs, je te garantis qu'ils sont très cool. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye.